Mais qu'avons-nous fait ? Imperius, tu ne peux aller affronter Diablo à nouveau. Tes blessures viennent à peine de se refermer. Les cieux sont livrés aux flammes. Tu en es l'unique responsable, Tyrael. Et vous, Néphalem, regardez en bas et contemplez l'œuvre de votre peuple. L'aspect de la vaillance nous condamne. Ça risque de compliquer la situation. Les portes de diamant se dressaient depuis que le premier rayon de lumière s'est posé sur les cieux. À présent, elles sont en ruine. Imperius a raison. Tout cela est ma faute. Ne doutez pas de vous-même, Tyrael. C'était l'œuvre de Diablo. Nous avons fait tout notre possible. Il y a longtemps de cela, mes frères et moi avons voté pour sceller le destin des hommes. J'ai déposé le dernier vote, celui qui vous a sauvé de l'extinction. Aujourd'hui, l'humanité a donné naissance au démon primordial. Ne vous laissez pas envahir par le doute, Tyrael. Vous avez cru en nous, et vous devez maintenant vous battre avec nous. Venez avec moi pour ne pas succomber au désespoir. Mais vous ne comprenez pas. Le chant de l'espoir s'est tu. C'est un funeste augure. Contemple bien la destruction que j'ai semée. C'est l'image que tu emporteras dans ta tombe. Iskatou, anéantis la Néphalem. En ce royaume éternel, tu ne trouveras que la mort. Je suis Itéraël, l'archange du destin. Mon devoir est de consigner ce qui est et sera dans le rouleau du destin. Mais vous, Néphalem, vous ne figurez pas dans le rouleau. Votre destin n'est pas écrit. Alors je l'écrirai moi-même. Contemplez la chute de tout ce qui vous est cher ou assistez-moi dans ma lutte. Le choix est vôtre. Peut-être. Peut-être le destin peut-il être changé. Alors, hâtons-nous. Auriel, archange de l'espoir, a été capturé par Rakanoth, seigneur du désespoir. Je vais la libérer, et l'espoir sera rendu aux cieux.
là les jardins de l'espoir. Auriel ne doit plus être là. Aperçu de destructeurs cuirassés depuis que Diablo fut exilé des enfers, il y a des siècles de cela. Avant qu'il soit banni, les destructeurs formaient le gros de son armée et grouillaient tels des insectes partout dans le royaume de leur maître. Si le seigneur de la terreur devait revenir, je crains que les destructeurs ne redeviennent ses héros. Les rampants bilieux sont bien connus des paysans du Kandouras. La plupart du temps, la seule évocation de leur nom suffit à faire filer doux les enfants turbulents. D'après certaines fables, les rampants sont des embryons démoniaques, nés avant terme et encore mal formés. Ils ne ressemblent guère qu'à des tas de chair vorace et sanguinolent et sont dotés d'un appétit insatiable pour la chair humaine. Soit erronée, que l'harmonie serait un jour restaurée au sein de ce royaume. Aujourd'hui, je le vois enfin. C'est en vous que l'espoir réside. Le seul destin est celui que nous bâtissons. Ma bénédiction vous permettra maintenant de dissiper la corruption de Diablo. C'est cette corruption qui dissimule les failles par lesquelles ces villes laquais envahissent notre royaume sacré. Les failles doivent être refermés. Nous ne vous décevrons pas. Diablo a brisé la volonté des cieux et semé le désespoir dans le cœur des anges, mais je leur ai rendu l'espoir. Nul signe de Tyrael au sein de ce chaos. Je dois poursuivre sans lui et anéantir les portails de Diablo. Perdu.
viennent du royaume de la terreur et de la profondeur des enfers. Il faut absolument condamner ça. Le conseil des Angéris regroupe les cinq archanges qui commandent le ciel. Ils établissent les lois auxquelles tous les anges doivent obéir. Chacun d'entre eux incarne un pur aspect de la création. La balance, la justice, l'espoir, le destin et la sagesse. Un coup brutal! Je ne peux pas porter plus. Je retourne en ville. Elle est revenue. J'y crois pas. Je suis venu ici pour creuser. S'ils essaient de me faire partir, il va y avoir de la castagne. J'ai fait quelques trouvailles. Je m'en servirai.
ouvrir l'oculus de la faille. Les démons vont te déchirer. Merci, mon palais. Les laquais de Diablo ne peuvent plus utiliser cette faille pour infester la cité d'argent. Il ne reste plus qu'une autre faille. Archange de la Vaillance est le plus grand guerrier de la création. Il se délecte de la guerre et du combat et a mené les armées du ciel vers d'innombrables pouvoirs. En l'absence de Maltael, c'est lui qui dirige le Conseil. Ainsi tu voudrais détruire cet Oculus, tu ne peux qu'échouer. Ils sont refermés. Vous avez dépassé mes attentes de nouvelles victimes. Nous devons poursuivre son affaire. Hâtez-vous. Vous devez vous frayer un chemin jusqu'à la cime d'argent. Les failles infernales ont été refermées. Mais peu importe. Bientôt, il ne restera plus rien des cieux. C'est la création tout entière qui deviendra le royaume de la terreur.
les flots infinis vous brisent. Vous abandonne. De Diablo s'il n'est pas vaincu rapidement. Ce serait le plus funeste des destins. Tyrael ! Oui, mon ami. Je suis prêt à reprendre le combat à vos côtés. J'ai eu tort de m'abandonner au désespoir. Vous m'avez montré qu'il y avait encore une chance de victoire. Mais nous devons nous hâter. En ce moment même, Diablo approche de la cime d'argent. Je comprends enfin l'humanité. Vous regardez chaque jour la mort et l'inconnu en face. Mais trouvez le courage d'aller de l'avant. Être l'un des vôtres est un honneur. Vous, ceux de votre espèce n'ont pas leur place ici. Si je vous revois en ces lieux, vous mourrez. Votre
Diablo va corrompre l'arche de cristal qui trône au faîte de la cime d'argent. Je dois l'en empêcher ou les cieux seront perdus à jamais. Tyrael et moi allons gravir la cime et affronter le seigneur de la terreur. Gare à qui se dressera sur notre chemin. La corruption se fait plus dense ici. Alors, qu'est-ce que ça fait de savoir que tu m'as aidé à devenir le démon primordial ? Tous tes grands exploits n'ont servi qu'à déchaîner ma colère sur le monde. Quelle belle héroïne tu fais, Niphalem. L'ascension vers l'arche de cristal. Nous devons nous hâter. Comment avez-vous pu pousser mon propre mari à me tuer ? J'aurais pu être sauvée, mais vous l'avez forcé à m'assassiner.
quelque chose de différent. Regarde, Tyrael. Voici ton ancien lieutenant. Il semblerait que nous ayons tous deux déchus, Tyrael. Viens donc saluer ton fidèle lieutenant. Mais il fut capturé à la suite d'une attaque mal préparée sur les forges des Enfers. Usual céda maintient qu'Usual a été tué il y a des années. Mais les filles de son successeur n'ont jamais senti de marche de destin. J'ai tourné le dos à mon foyer céleste, mais à le revoir ainsi ravagé, toute la joie que j'ai, nous ne sommes plus loin. J'espère. Le conseil des Angéris ne vaut pas mieux que les démons primordiaux. Nous ne sommes que des pions soumis à leurs cruels caprices. Et maintenant, vous aidez le pire d'entre tous. Ken ne dirait jamais ça. Abandonne. Je dois alléger mon pas. Mon pas s'allonge. Ce n'est pas encore prêt. Je ne peux rien porter de plus. Je dois alléger mon fardeau. Les anges arpentaient ces salles. Nous
croyions les maîtres de la création. Notre arrogance fut notre perte. J'ai fait quelques trouvailles. N'arrêtons pas, c'est le même sort qui attend toute la terre. Yeah.
vous abandonne. Nepharem, je crois que vous avez choisi d'ignorer mon avertissement. Ou peut-être pensez-vous être assez forte pour m'affronter? Je sais que je le suis. Imperius, cesse cette folie! Notre ennemi est Diablo, pas la Nephalem. Tyrael, je m'occuperai de toi en temps voulu. Je vais te... Qu'est-ce que... Non! Diablo a atteint l'arche! Non. Diablo a entrepris de flétrir l'arche de cristal. Voilà pourquoi les anges sont tombés. Si l'arche devait s'éteindre à jamais, nous devons vaincre Diablo avant qu'il n'y arrive. Et nous sommes les seuls à pouvoir nous acquitter de cette tâche. La perte de vos ailes pourrait s'avérer une bénédiction. La corruption maléfique de Diablo nous barre le chemin. Reculez! La lumière d'Eldruin va nous ouvrir un passage. Le portail est ouvert, Nephalem. Cette dernière épreuve est seule vôtre. J'ai livré seul la plupart de mes combats, mais vous avez été un allié formidable. Ce fut un honneur pour moi. Mais ce moment est le vôtre, car voici venue l'heure de la victoire de l'humanité. Je suis
n'est pas encore prêt. Notre ami perdu qui occupe le conseil, n'est-ce pas? Léa. Oui. J'aimerais trouver quelque chose à déposer aux côtés de la dépouille de Kane à Tristram. C'est ce qu'elle aurait voulu. La victoire est nôtre. Diablo est vaincu et tout mal a péri avec lui. Le mal ne peut être si facilement éliminé. L'avenir nous le dira. À la fin, c'est une âme mortelle qui sauva deux mondes du néant et terrassa le démon primordial à jamais. Se lève pour les anges comme pour les hommes. Car le plus grand champion de l'humanité, un Néphalem, s'est dressé face aux ténèbres que dans notre orgueil, nous refusions d'affronter. Parmi vous. Mais cette fois, en tant que mortel. Puisqu'en ce jour, justice a été rendue, je serai désormais
sagesse. Au nom de ceux qui risquèrent tout pour nous sauver. Et pour l'éternité, nous marcherons côte à côte, ange et homme, dans la lueur glorieuse de cette nouvelle aube. Diablo subsiste dans la pierre d'âme noire. Je ne peux ni détruire la pierre, ni permettre que sa malfaisance demeure dans les cieux. Je dois donc la cacher, et même des anges. Je prie pour que ce soit suffisant. Vous avez bien travaillé, Oradrim. Votre tâche ici est terminée. Et vous devriez tous... fuir. Maltael. J'ai eu vent d'histoire parlant d'anges descendus sur Westmarch pour y massacrer hommes, femmes et enfants. Quel dessein peuvent-ils servir ?
La garnison de la ville n'a rien pu faire pour les arrêter. Mais me voici. Et je protégerai tous ceux qui peuvent être sauvés.